Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadec vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Hellblade, Senua's Sacrifice Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Voyons, en tabarnache. Ça pue! Out. Yeah! Ha!
Pourquoi continues-tu à te battre? Peut-être devrais-tu toi aussi souffrir avec les liens dans cette pourriture inondée. Ton sang, mais la rivière de Hell. Fire, Kanda. Give the darkness what it wants. Let it swallow your soul and destroy all that you are. Donne aux ténèbres ce qu'elles veulent. Laisse-les engloutir ton âme et détruis tout. Pourquoi te battre pour quelqu'un qui est déjà mort? Regarde autour de toi à quel point pour lui, même si tu te sauves, ton âme, crois-tu qu'il va remercier pour ce que tu as fait? Ce que tu as fait à ses amis? Son père? C'est quand elle crie focus, c'est parce qu'elle veut que je me sois ralenti. Aïe, aïe, aïe. Je sais même pas si je vois du bon bord. Jess, focus! Alors, je pense que je suis rendu pas à bonne place. Tout ça pour courir de mon côté, GG. Caribou, focus! Focus! Focus, tabarouette! Focus now! Ouais, c'est ça. Maintenant, focus, réveil, wake up! J'étais là tantôt, j'avais même d'aller vers l'avant, mais non. Je fais tout le sens contraire. Vous êtes morts, tous les deux. Vous avez cédé aux ténèbres, mère et fille, dans la mer de la noirceur.
Pourquoi j'ai pas le... Ah, y a peut-être quelque chose que je... Faut que je focus. Entends-tu bien, Jess? Hé, là, sa mère. Je ne peux plus lutter. Pas seul. Où es-tu, mère? Je veux aller avec toi. Où es-tu, mère? Où es-tu? Je ne peux plus lutter. Je veux être avec toi. I want to be with you. Cette nuit, elle abandonna son monde pour suivre les pas de sa mère. Aller là où les ténèbres ne pourraient pas l'atteindre. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Senua, regarde-moi. Je ne vois pas, à Jésus fermé. Tu les entends? Ils m'appellent. They're calling for me. We've lost so many. T'en sors parti, et j'ai perdu mon père. Je ne peux pas te perdre. Tu l'as dit, j'ai du sang sur les mains. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as rien fait de mal. Zimbel avait raison. Tout le monde souffrira. Zimbel, l'imposteur, le sale menteur haineux, il est venimeux. Ces mots de... te hantent encore? À qui fais-tu confiance? Lui ou moi? Crois-tu toujours en moi, Senua? En nous? Reviens auprès de moi, je t'en prie. Ne laisse pas ces ténèbres s'interposer entre nous. Les plus dures batailles sont celles de l'esprit. Il lui donna l'épée pour se battre de plusieurs manières et lui donna sa parole de ne jamais se rendre. Il lui fallait juste un peu d'aide et d'espoir. J'ai maintenant l'épée. Donc l'épée était à l'intérieur de l'arbre. Et pour aller dans, enlever l'épée, il fallait que je réussissais. J'amenais les quatre fragments. Ben, en fait, c'est quatre fragments. Il y avait quatre pierres. Tu rentrais dans les pierres. Tu avais des mini-missions. Senua, nous sommes là. Bonjour, nous revoici. En fait, les missions, c'était des missions intérieures qu'elle avait à faire. Là. Combattre ses peurs. Il y en avait quatre. Une fois terminé, ben... on pouvait enlever l'épée. Parce qu'elle avait brisé son épée. Elle s'est battue contre un dieu, puis elle a bloqué juste un coup, puis il a brisé son épée en mille morceaux.
uniquement sur ta voix perdue. Tu as besoin de nous pour t'aider, ne t'inquiète pas. Non, ça aussi, c'était... Avant d'aller à l'arbre, on était ici, il y a une porte en haut, mais on pouvait pas y aller. Et probablement, c'est la prochaine étape. Il y avait une échelle aussi. Ne t'inquiète pas, elle a besoin de nous. Tu as été si fort. Nous t'aidons. Et c'est voilà, là, je comprends pourquoi le jeu il dit que si t'as une maladie mentale, tu peux pas jouer. Allez-vous-en, je t'écoute. Je t'écoute pas. Entrez dans Helheim. Je vais te parler d'un grand héros nommé Sigurd, fils du grand Sigmund. Né après la mort de son père, Sigurd fut élevé par les nains Regin. Mais Regin n'aimait pas le garçon. Il comptait bien se servir de lui. Le père de Regin possédait un grand trésor, vois-tu. Il lui venait des dieux. Or, son frère, Fannir, tua son père et s'empara de tout l'or. Fafnir cacha le trésor dans la lande, mais ne put se résoudre à le quitter. Son cœur noir le changea en un sombre dragon. Et ces créatures s'appelaient Jess. Jess le dragon sorcière. N'ouvre pas la porte, ne t'approche pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Reviens. La bête énorme garde Helheim, garde, est son nom. Elle sait que tu es ici, Senua. Elle renifle ta puanteur. Reste dans la lumière, elle doit pas te voir. Une bête énorme. Reste dans la lumière. De quoi as-tu peur, Senua? Comment pourras-tu sauver des liens si tu es trop lâche pour pouvoir aller tuer ce monstre? Alors fais-le! Bah, cours! Arrête pas! Elle ne veut pas arriver! Cours! 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 La bête te traque dans l'ombre, ton épée est inutile ici. Continue, cours, les dieux sont dans son esprit. Ouvre la porte, elle ne peut pas, prends la torche. Ouvre la porte, elle ne peut pas. Détrompe-toi, la bête est encore ici, le sens-tu? Nua? Qui est-ce? C'est la bête? Non, c'est Galena, sa mère, c'est une ruse. Ce n'est pas une ruse. Ne te laisse pas avoir, ce n'est pas elle. Mère? Tu les entends? C'est moi, c'est nous. Ils sont si bruyants. Ce n'est pas elle. Tant de haine. Je veux juste les aider. Dis-moi quoi faire. Ton père veut qu'il parle. Il me blesse. Il me blessait pour le faire taire. Mais il n'est plus là. Mais ils reviennent toujours. Il dit que je mourrai si je suis. Mais ils disent que je suis déjà morte. Non, je t'en prie. Ils me veulent avec eux. Arrête. C'est pour ça qu'ils passent dans les murs. Ne les écoute pas. Tu les vois? Tu vois leur visage. Les ténèbres volent tes souvenirs. Ce n'est pas elle. Si, c'est elle. Merde. Ils arrivent, c'est Noah. Aide-moi. Comment? Sors-moi de là. N'y va pas.
N'y va pas. She shouldn't be here. She escaped the darkness. N'y va pas. Elle s'est suicidée pour y échapper. Il ne sait plus quand ça a commencé, quand sa mère est perdue sans sourire, sans regard, la traversant, tournée vers un monde que Senua ne voyait pas. C'est ce qui arrive si on tente d'atteindre l'au-delà, disait-il. Tout est dur à accepter pour un enfant. Elle sentit pour la première fois le froid glacial de la peur. Une autre sauvage. Je ne parle pas trop de son père, Zimbel. Je ne voudrais pas le contrarier. Mais est-ce que ça compte maintenant? Allez, il faut essayer de trouver les... Trouver les signes. On a trois à trouver. On a trouvé zéro jusqu'à date. La lumière ne peut plus la sauver. Quelque chose d'autre arrive. À force de bloquer, c'est là que le focus arrive. Il a réussi. Prends la torche et continue.
Ah, je n'ai trouvé un. Elle a deux autres à trouver. Pourquoi elle fait ça? Inutile. Une ruse. Un sur trois. Il y a plein de choses en anglais qui ne traduisent pas en arrière. Un qui descend, un qui monte. On va vers les ténèbres. La bête est passée. Ici, continue. Continue, Senua. Senua, alias Jess. Elle doit plonger. Elle ne peut pas. La torche va s'éteindre. Éteins la lumière. Arrête-toi dans la lumière, tu seras à l'abri. Voilà la torche, prends-la, et te protégera. Elle peut trouver la rune, elle peut. Garde, arrête de me parler dans ma tête. Tabarnak. Et voilà. Elle l'a encore, elle l'a trouvé. Il n'en reste juste une derrière la porte. Cet endroit, il lui rappelle les ténèbres suffocantes d'isolation qu'elle connaissait dans sa jeunesse. Dans la prison nocturne de sa chambre, les visages dans le noir traversent les murs. Elle pensait jadis que tout le monde les voyait. C'est bien ce que disent tous les enfants, non? Qu'il y a des monstres dans le noir. Ou dans la chambre à Jess, sous des couvertures. Elle a fini par comprendre qu'elle était la seule à les voir, mais son père voyait déjà le monstre en elle.
La torche éteint, les ténèbres vont revenir. Elle est trop lente. Les ténèbres vont revenir. Je pense que c'était là-dedans. J'étais déconnecté du chat. Ah ouais? Ah, il est là! Tu as toutes les runes. Il doit repartir à la porte sauver sa mère. Tu sens-tu cette bête qui rampe dans ton esprit? Je cherche les faiblesses. Ils ont d'abord trouvé ta mère qui a servi à te piéger ici. Il avait mourir, je m'en souviens pas, je n'avais que 5 ans. Ils m'ont dit qu'elle a échappé aux ténèbres et qu'elle est avec les dieux. Mais si elle mentait, et si les ténèbres l'avaient prise et emprisonnée ici? Passe la porte, tu peux sauver ta mère. Où elle est? C'est une ruse. C'est un piège. La bête arrive. Comment peux-tu être aussi stupide? Non, 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 non! Tiens bon, Senua. Tiens bon! Qu'as-tu fait? Tu l'as perdu, c'est fini. Sans sa tête, tu ne peux sauver son âme. Ton destin est scellé. Dillian. Elle voit le plus faible en toi. Quand tu souffrais enfant aux mains de ton père Zendel, Zembel tout, en te languissant de Dillian. Te souviens-tu des ténèbres, Senua? La bête les fait revenir. Mère, pourquoi m'as-tu laissé? Il me semble que c'est Jésus qui disait ça à son père. Ces ténèbres, elles se répandent. Père m'interdit de voir les autres, de voir Dillian. Je n'abandonnerai pas, je ne pourrirai pas ici. Je vais trouver Dillian. I'm going to find Dillian. Saute, il est juste là, Dillian, dans le fond du trou.
Oh. Allez. Oui. Il faut que je retourne en haut. J'ai envie de retourner en haut pour voir, mais... Non, c'est en bas quelque part.
Bon. Il est dur celui-là, là. En vrai, il faut que tu trouves sur ce morceau de bois-là qui a peut-être pas rapport. Ça ressemble à quoi? Un R. Il y a quelque chose qui va pas. Il veut m'attirer là, je suis sûr que c'est pas ça. Ah, on pouvait aller là. Bon, là.
Elle ne peut pas y aller. Il n'y a pas de lumière. Elle doit... La torche, elle meurt. Toujours là, Jess, toujours vivant. Tu peux m'appeler maître ou dieu, c'est correct. Regan, le nain, désirait ardemment posséder le trésor maudit du dragon et se servir pour cela de Sigurd. Il raconta à Sigurd l'histoire de Lord de Fenrir, le héros au cœur pur, promis de tuer le dragon. Regan lui forgeait une bonne épée. Sigurd se souvint de son père possédait une épée qu'il tenait d'Odin. Odin a brisé l'épée pour provoquer la mort de Sigmund. Mais la mère Sigurd possédait toujours les fragments de Regin et put reforger l'arme. Sigurd utilisa l'épée pour venger son père, puis Regin et lui se mirent à la recherche de Fafnir. Elle a encore une vingtaine de minutes. Ça avance bien. Histoire intéressante. Ça, c'est un jeu que je suis content d'avoir joué. C'est un bon jeu, j'aime le style. Elle ne peut pas y aller. Il n'y a pas de lumière. Elle le doit. Si la torche meurt, elle meurt. Elle allume la torche, ça va aller. Quel est son plan? Quel est le plan? J'ai pas de plan. J'aurais un plan. Qu'as-tu fait? T'as réussi. C'est ça qu'il fallait faire. T'es la meilleure. Ah, ici. Ok, je comprends.
Eh oui, je suis le caribou canadien. Dylan, elle pense toujours à lui. Une flamme tendre qui le guide dans le noir. Il faut y aller devant, il n'est pas loin, elle le sent. Garde les torches allumées. Plus elle brûlait, plus elle était convaincue qu'il ne pouvait tout voir. Il a si peu entre nous. Ce qui nous fait peur. Le dragon Fafnir était si grand et dangereux qu'il serait impossible de le tuer face. Mais chaque jour, Fafnir rampait à travers les landes pour trouver de l'eau. Alors Sigur creusa une fosse sous son chemin et guetta sa venue. À son approche, Sigur planta l'épée dans le dragon. La bête est proche, continue à chercher des liens, ne lâche pas. Sigur jaillit de la fosse et Fafnir le vit. Il le prévint que le trésor le mènerait à sa perte, comme il avait tué tous ses détenteurs. Sigurd lui répondit que tous les hommes meurent et que tous les hommes veulent être riches jusqu'à la fin mort. Puis il emporta le trésor. Des milliers de mains. J'aimerais ça faire avoir un massage par des milliers de mains. Allez, rampe parmi les cadavres. Les cadavres de tous les hommes qui t'ont aimé. La bête est là, les ténèbres arrivent. Cours. Reviens-moi. Tu m'entends? Je t'entends, je viens te chercher, je viens. Ma voix, reviens. La torche est éteinte, les ténèbres sont là. Cours. Elle va continuer la lumière. Elle peut la voir. Non, tu ne l'enlèveras pas. La bête a Adelian, réfléchis. Je t'ai prévenu, Senua. Je t'ai prévenu de ne pas venir ici. Je sens ta peur. Je vois ta faiblesse. Non. Tu as trahi tes dieux. Dylan est à toi. Protège-le. Si tu le perds, tu perds tout. Tu m'as tourné le dos. Tu as trahi tes dieux. Voilà pourquoi Dylan pourrira en elle. Tiens mon nom. You can hear him. Is he fine?
Et il est. Oh oh! Battez Fanny. Hey, je l'ai battu! Je l'ai eu! Oh! Oh, Alice m'a fait peur, là. Les gens croient que le mal est une force anormale et invisible, veulent la protection des dieux, mais ils peuvent venir de la main même des dieux, croix familière et cruelle. Il a tenté d'arranger ça avec ses rituels, la garder prisonnière de ce trou. Elle ne savait pas ce qui était pire, les ténèbres ou le monstre qui était devenu son père. Impossible d'affronter les dieux, les deux. Alors elle est partie, vers le seul rayon de soleil qui l'atteignait. Si elle était restée, elle n'aurait pas survécu, mais Dillian serait peut-être encore en vie. Je suis désolé, mon amour. Elle va sauver son âme, même si cette fois, elle ne peut pas sauver la sienne. Pardonne-moi, Senua. Je sais que tu n'as pas de raison de me croire. Non, mais écoute-la, ne lui fais pas confiance. Mais crois ça, ma mission était de te faire haïr les ténèbres avec une telle force que ton esprit serait pleinement concentré sur cette quête. Sans ça, je crains que tu abandonnes cette vie. Mais tu as surmonté la haine et tu n'as cessé de conquérir tes ténèbres. Tu mérites de voir derrière le voile des ténèbres. Je ne m'imposerai pas. M'interposerai pas. Amène-moi dans les montagnes, aussi loin que possible. Tu ne survivras pas à ce qui se trouve là-bas. Je sais. Mère, je ne laisserai pas les ténèbres des pièges nouveaux. Je sais que tu es en sécurité avec les dieux. Je peux sentir le regard qu'Ella lui cherche le secret au fond de moi. Le secret que même moi, je ne peux pas voir. Que se passera-t-il face à Ella? Elle doit supplier. Je ne suis pas là pour lutter contre mon passé, je suis là pour Dillian. Elle doit tuer Ella, elle a l'épée dedans, impossible, Ella, elle l'a déjà vaincu deux fois. J'accomplirai mon vœu, quel que soit le prix. Elle doit combattre, non, elle doit trouver une autre voie, elle n'est pas assez forte. Les Nordiques pensent que le monde se terminera. Il s'appelle Ragnarok, le destin des dieux.
Cela commencera par un terrible hiver de 3 ans, mais l'humanité s'autodétruira. Et là, c'est un vige de la pourriture, tu dois faire. Les frères s'entretueront. Les gens oublieront ce qu'ils doivent leur famille. Cela dure, les crimes seront nombreux. Ce sera âge d'épée et de hache, le vent soufflera dans les salles abandonnées, les loups marcheront là où jouent les enfants, le monde tombera en ruine. Il y a 2 chemins, c'est bizarre. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Hellblade, c'est nous à Sacrifice Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!